Donc c'est pour C'est ça qu'ils des sont pas. journées de combien de, enfin des semaines de combien d'heures? Ben, comment dire, on va dire que, allez, dans le meilleur des cas, c'est entre 70 et 90, quoi. Oui. Et ça depuis 50 ans. Vecchi, vecchi, un troupeau, c'est extraordinaire parce que, comment dire, tu as toute la société, tu as des dominants, des dominés, des jeunes, des âgés, comment dire, et puis chacun, venant à des Un rites, rôle. comment dire, chacune non, bon, est issue d'une famille, donc quelque part, comment dire, il y a les grands-mères, les arrière-grands-mères et tout, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, même si quelquefois bon, on les sépare, elles se retrouvent sans aucun problème. Et quand tu les vois se coucher, donc, tu vois les familles qui se sont Qui se recomposées, quoi. recompose, ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles Donc, elles se s'entendent. souviennent, quoi. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles se, comment dire, elles s'entendent toujours très très bien, toi. Tu peux sortir à une moitié là, Frédéric. Salut, Jules. Salut, Charles. Il faut savoir que si ta chèvre elle est en bonne santé, la première fois quand on les traite, on regarde la mamelle, on touche la mamelle, on a une machine pour les traire, mais on traite quelques gouttes et on touche la mamelle et on voit si en venant la mamelle est propre, saine, il n'y a aucun problème. Le lait doit être en venant en bon état. Des demi-secs que l'on a là-bas. Oui. Les fromages perdent petit à petit, il faut de l'humidité. Il faut que ça se fasse tranquillement. La température, c'est entre 13 et 14 degrés. Et comment dis-je? Et l'hygrométrie, c'est 75%, quoi. Long en bouche dans ses arômes. Voilà, exactement. Là, ses arômes longtemps. Et après,
là, tu peux manger avec la croûte, enfin la croûte comme tu veux. Ouais. Tiens. Come on.